الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors nous sommes arrivés aujourd'hui au dixième, à la dixième leçon de cette série de Doros sur le livre l'Itqan de l'imam Suyuti qui concerne les sciences du Coran, Uloum, le Coran. Et nous avons parlé, nous avons terminé la question des sat ahruf, les sat modes de formulation. Bien sûr, nous vous avons expliqué que les modes, les différents modes, les différents modes de formulation du Coran, ce n'est pas que le Coran est récité de sept manières différentes. C'est pas ça les ahrof. Mais nous l'avons expliqué qu'il s'agit de variantes soit dans la graphie, soit dans la voyalisation, soit dans les points diacritiques, certaines variantes de ce genre-là, où il y a déjà des ajouts de alif ou de nun, etc. Nous vous avons déjà cité les sept aspects sous lesquels se présentent les variations dans les ahruf. Nous avons parlé de la définition d'Ibn al-Jazari, différence soit dans la voyalisation, soit dans les points diacritiques, soit dans la graphie, et soit dans le par ajout, par suppression, soit par antéposition, postposition, fayaqtuluna wa yuqtalun, comme dans le verset de la sourate Bara'a, où Allah dit ils tuent, ils se font tuer, mais selon un autre harf, c'est le contraire, c'est l'inverse. Ils se font tuer et ils tuent. Bien sûr, ça n'affecte pas le sens. Au contraire, les sens se complètent. On a donné l'exemple de bidanin et bidanin, wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin avec le dad, wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin avec le zad. Donc, les différences de certaines lettres sont touchées, bien sûr, le sens. Et c'est ce qui a enrichi l'exégèse coranique. Nous avons parlé aussi de la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui a convoqué, que c'était à l'époque où il combattait les apostats, puisque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de tribus ont apostasié l'islam, et beaucoup de gens ont réclamé être prophètes. Il y a eu l'apparition des faux prophètes, Abu al-Aswad al-Unsi au Yémen, Sajah, une femme qui a prétendu être aussi prophétesse, bon, les Musaylim al-Kadhab, et lors de la guerre, du combat mené, l'expédition menée contre Musaylima, l'imposteur de la tribu de Banu Hanifa, c'était Al-Yamama, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de morts parmi les compagnons, et là, Omar ibn al-Khattab, il est allé voir Abu Bakr Siddiq, il a dit il faut sauver les gens parce que bon, les Qurra, beaucoup de récitants du Coran, de savants dans la récitation du Coran se font massacrer. Et il faut réunir le Coran, il faut le réunir dans un parchemin, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passera après. C'était la crainte qu'il y ait disparition des Qurra, des récitants. Et là, bon, Abu Bakr Siddiq, il a convoqué Zayd ibn Thabit, et il eut la première recension du Coran, tout ce qui a été écrit par les compagnons sur des supports divers, sur les omoplates, les pierres plates, sur les branches de palmier, tout ce qui a été écrit là-dessus, il a été réuni. Et puis, bon, Zayd ibn Thabit a réécrit ce qui a été écrit sur ce support-là. Bien sûr, il s'est basé, non pas sur sa mémoire, sur ce qu'il retenait, mais sur lui, il connaît le Coran par cœur, mais il s'est basé sur ce qu'ont écrit les compagnons devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a exigé pour qu'il écrive quoi que ce soit dans son parchemin, il faut que la personne, le compagnon qui est venu avec son manuscrit, apporte avec lui un compagnon, un témoin qui a été témoin de l'écriture de ce document-là devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, lui, il a pris la plume et il a écrit la révélation. Il a écrit ce qui a été révélé au prophète sallam. Il fut réuni sur un parchemin. C'était un document officiel,
Un document de l'État, si vous voulez. Il était, bon, Abou Bakr Siddiq l'a gardé chez lui. Les compagnons n'avaient pas besoin de ce document-là, puisque l'apprentissage se faisait oralement. C'était par transmission orale de maître à élève. Mais il a été laissé en cas de besoin. Et après la mort d'Abou Bakr, le document est passé dans les mains d'Omar ibn Khattab, qui l'a laissé aussi après sa mort à Hafsa. Et à l'époque de Othman, radiyallahu anhu, il y eut divergence lors de la conquête d'Azerbaïdjan et d'Arménie. Il y eut des divergences entre les Qurra, les récitants irakiens et les récitants syriens. Et Hudayf ibn Yémen était à la tête de cette expédition-là. Et quand il a constaté qu'il y a divergence, il est venu et il est venu voir le calife Othman. Il a dit, il faut sauver la communauté parce que bon, ceux qui récitent selon la lecture de Ibn Mas'ud, d'autres compagnons qui sont dans le Koufa, dans l'Irak, ben ils ne reconnaissent pas la lecture des Syriens. Parce que bon, les Syriens récitent selon un autre harf. C'est pas. Il constate qu'il y a des différences dans la prononciation de certains mots. Ils leur disent non, il faut pas prononcer ce mot-là de telle manière. Et les autres disent non, il faut pas le prononcer de cette manière. Et il y a eu un désaccord. Et là, le Othman radiallahu anhu, il a convoqué Zayd ibn Thabit, ce qui était à la tête de la première recension, il l'a convoqué, et puis bon, il y eut un comité censeur pour écrire un livre, pour écrire le Coran, hein, pour transcrire le texte coranique, c'est-à-dire un livre qui tranche, c'est-à-dire au cas où il y ait divergence, il faut recourir à ce livre-là, officiel. Il a officialisé le document. Et donc, comment ce comité-là a procédé? Il a procédé de deux manières. C'est qu'il a fixé le texte, il a fixé son ordre, l'agencement des mots, tel mot vient après tel mot, et fixé la fixation de la quantité, c'est-à-dire une fixation structurelle et textuelle. C'était ça ce qu'ils ont fait, c'était ça ce qu'a fait ce comité-là, afin que personne ne dise, ah non, il manque telle lettre, il manque tel mot, il manque telle phrase, il manque tel verset, ou vous avez ajouté telle et telle chose. Et en même temps, quelqu'un va dire, écoutez, non, tel verset vient avant celui-là ou après celui-là. Non, c'est une fixation, voilà, structurelle et textuelle. La quantité a été fixée. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont veillé à ce que la graphie accepte les autres lectures, les autres ahraf. Othman radiallahu anhu connaissait très bien la licence des sept ahraf. Et donc, une licence, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une licence, qui nous permet de faire telle chose et qui nous ouvre le chemin, la voie, c'est-à-dire que nous avons le choix entre telle alternative, une licence qui nous autorise pour faciliter la tâche. Uthman connaît cette licence-là, la licence des sept ahraf. C'est-à-dire que la personne, le récitant, peut réciter de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'était pour faciliter la tâche aux gens. Mais cette licence-là, on a le choix de la prendre comme on a le choix de ne pas la prendre. Si cette licence-là conduit à des choses qui sont contraires à son objectif, là, on a le droit de l'arrêter, de ne pas l'utiliser. Uthman, il a constaté bon, que cette licence des sept ahraf, ça a causé une certaine divergence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abolir la licence? Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Mais il a mesuré, il a pesé les choses. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le mushaf de référence. En cas de divergence, ils vont revenir à ce mushaf-là, à ce Coran-là. Et en même temps, je vais veiller à ce que la graphie respecte les autres
les autres lectures, les autres ahrof. Je vais veiller à ce que cette graphie-là respecte les autres, de telle façon que quelqu'un, quand il lit le mushaf, il peut le réciter selon avec cette variante ou avec telle autre variante, comme par exemple yakhda'una yukhadi'un, et comme par exemple maliki yawmiddin et maliki yawmiddin. Il a veillé à ce que la graphie, le tracé s'adapte aux deux lectures, à deux lectures différentes. J'ai donné l'exemple de il n'a pas mis de point diacritique ni de voyelle afin que la personne qui lit tablou, qui lit selon le harf de tablou, c'est-à-dire chaque âme trouvera manifeste ce qu'elle aura accompli, et peut le lire de cette manière parce que la graphie est adapté à ce harf, il peut le réciter d'une autre manière, à savoir hunalika tatlu kullu nafs, avec le ta. Il peut le prononcer avec le ba ou le ta, selon ce harf-là ou selon cet autre harf-là. La graphie respecte les deux lectures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a uni la communauté autour d'un mushaf. En cas de divergence, ils vont revenir. Il l'a uni, il a fait un rasm, comme quoi. Ainsi que personne ne peut ajouter une lettre ou retrancher une lettre, et en même temps il a laissé la porte ouverte aux autres ahrof, aux autres modes de formulation. Pourquoi? Parce que ces modes de formulation ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il a le choix de les enlever parce que c'est juste une licence. Mais il sait que ces ahraf, ça vient d'une révélation divine. Et donc, qui dit révélation divine, donc enseignement. Donc, il a veillé à perpétuer, il a veillé à garder ces modes de formulation dans la mesure du possible, dans la mesure où le rasm ou la graphie l'accepte. C'est bon? Donc, j'ai donné l'exemple que je viens de dire tout à l'heure. Il dit, si jamais il marque le point diacritique, par exemple, dans Hunalika tablou kullu nafsin, il va mettre le point en bas, il va éliminer l'autre lecture. Et s'il élimine l'autre lecture, peut-être, bon, il va disparaître et on va plus entendre parler de la lecture où c'est marqué Hunalika tatlou. On ne va entendre que Hunalika tablou. Il va effacer l'autre lecture là, l'autre lecture. Et si l'autre lecture disparaît, donc ça nous prive d'un enseignement. Et le Uthman en est conscient. Donc plus de ahraf, ça veut dire plus d'enseignement et plus de lecture et plus de licence et plus de choix et plus de choix. Et subhanallah, il a réussi. Parce que ces ahraf là ont donné les 7, voire les 10 lectures que nous lisons aujourd'hui. Qira'at Hamza, Qira'at Hafs, Qira'at Asim, Qira'at Al-Kisa'i, Qira'at Khalaf, Qira'at Abu Ja'far, etc. Ça enrichit la lecture, ça enrichit la langue arabe et ça enrichit l'exégèse coranique. Et Ali radiallahu anhu, il a loué ce geste, ce qu'a fait Othman radiallahu anhu. Et il a fait un témoignage en sa faveur. Il a dit, si j'étais à sa place, à la place de Othman, j'aurais fait la même chose que lui concernant les masahif. Et ce témoignage, vous pouvez le trouver dans Kitab Sharia de l'Ajurri, Kitab al-Masahif ibn Abi Daoud et Kitab al-Fada'il d'Abu Ubaid. Et Ali, il récitait et enseignait le Coran respectant le mushaf de Othman et sa descendance aussi, Al-Hussein, Al-Hassan et Al-Hussein, toute sa descendance. Et quand l'imam Malik fut interrogé si on peut enlever certains waw ou certains alif, hein, puisque bon, certains alif, certains waw, on ne le prononce pas dans le Coran. Comme par exemple, waqalu, qalu, il y a le waw, il y a un alif et au-dessous. Et au-dessus du alif, il y a un petit rond. Ce alif-là, on ne le prononce pas. Et ces lettres-là, ces alif, ces waw, ces ya, ils paraissent supplémentaires, hein, dans le mushaf de Uthman. Et Malik, rahimahullah, il a dit non.
On n'a pas le droit d'enlever ces lettres-là. Si quelqu'un veut transcrire le Coran, il a dit qu'il respecte la graphie originelle. Et l'imam Ahmed a dit la même chose. Le grand Abu Amr Dani, le savant des Qira'at, a dit dans son livre Al-Muhkam, il a dit aucun des savants de la communauté, de la Ummah, n'a contesté ce qu'a dit l'imam Malik. Et quand ils disent cela, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent. Ils savent très bien ce qu'ils disent, hein? Certains superficiels, certains orientalistes, ils disent n'importe quoi. Le système graphique était incertain, rudimentaire, etc. Hein? Subhanallah. La seule réponse à donner à cela, c'est leur tendre le Coran selon la lecture, selon la riwayat Hafs, par exemple, d'après Qira'at Asim, avec les voyelles et les points diacritiques en couleur, comme vous lisez en France. Et on leur dira, bon, lisez, lisez-le, selon Warsh maintenant. De le Coran maintenant qui est devant, entre vos mains, selon Riwayat Hafs, An Asim. Ben, lisez-le selon Riwayat Warsh. Lisez-le selon Qira'at Hamza. Lisez-le selon Qira'at Amr. Ben, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils restent bloqués. Parce que la graphie n'est pas adaptée à ces autres lectures. Mais sur le Mus'haf de Othman, on peut le lire. On peut le lire. C'est facile à lire. Subhanallah. Mais cette graphie, wallah, quand ils ont écrit, on dit que les plumes de ces scribes-là ont été inspirées. Vous lisez le Coran, l'avant-dernier verset de la sourate Ar-Ra'd, par exemple, la sourate 13, quand Allah il dit, وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Et les impies sauront bientôt à qui reviendra l'ultime demeure. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Ça, c'est riwayat Hafs an Asim. C'est la riwayat de Hafs selon la lecture de Asim. Dans le Coran, vous lisez, d'habitude, vous lisez le kuffar avec le alif. C'est-à-dire, al-kuffar, ça s'écrit comment? Il y a le alif, le lam, ça c'est l'article défini, hein, et puis le kaf, n'est-ce pas? Et puis le alif, bien tracé, bien distinct. Hein, et après, le alif, il y a le fa, la lettre fa, et enfin le ra. Mais ici, dans le Coran que vous lisez, vous allez trouver le kuffar avec le alif, le lam, le kaf, le fa et le ra. Vous n'allez pas trouver le alif qui sépare le fa du ra. Vous n'allez pas le trouver. Vous allez voir entre le fa, la lettre fa et ra, un petit trait vertical. Un petit trait au-dessus du tracé. C'est pas un trait vertical qui sépare les deux lettres. D'accord? Vous n'allez pas trouver ça. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Donc vous allez trouver K-L-K-F-A-R-A. K-F-A-R-A. Pas de alif. Il n'y a pas d'alif qui sépare le fa du ra. Contrairement à la règle générale. Ma yusamma bil alif al-muthbata. Ça, ce n'est pas une alif muthbata. Il ne sépare pas le fa du ra. Donc, il n'est pas représenté par le trait vertical. Ben, pourquoi exactement ce mot-là? Pourquoi dans Surat Ar-Ra'd, c'est marqué al-kuffar avec l'alif, avec ka, fa, ra. Pas le alif qui sépare le fa du ra. Est-ce que c'est une erreur d'orthographe? Non, pas du tout. Parce que ce nom, Kuffar, se lit de deux manières. Il a été rapporté de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux manières. Al-Kuffar, ça c'est la qira'a de Asim. C'est ceux qui lisent selon Hafs an Asim. Liront Al-Kuffar, wa saya'lamu al-kuffaru liman 'uqba ad-dar. L'autre lecture c'est wa saya'lamu al-kafiru liman 'uqba ad-dar. Ça c'est la qira'a de Nafi', riwayat Warsh an Nafi'. Uthman n'a pas voulu séparer le fa du ra. Il n'a pas voulu séparer le kef du fa. Pour ne pas exclure l'une ou l'autre des deux qira'at. Compris, mes frères et sœurs? Il ne veut pas exclure. Si par exemple, il va l'écrire al-kuffar avec le alif, il va exclure l'autre qira'a qui est al-kafiru. Et si il marque al-kafiru avec le alif qui sépare le ka
du fa, le kaf du fa, il va exclure l'autre qira'a qui est al-kuffar. Et il l'a laissé exprès. Al-kuffar avec al-kafara. Si tu veux mettre le petit alif entre le ka et le fa, tu peux le faire. Si tu veux, selon la lecture de Warsh, si tu veux la mettre entre le fa et ra, tu peux le faire. Donc, il a laissé cette graphie, accepte les deux lectures. Là, pour toucher un peu le génie de ces, comment ils sont inspirés, et ce n'est pas quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a loués, subhanallah, ce n'est pas. Yani, Uthman radiallahu anhu, il a vécu pour ce Coran-là. Et il est mort sur le Coran. Est-ce que vous le savez que son mushaf personnel, dans son mushaf personnel, se trouve son sang. Le sang de Uthman se trouve là-dessus. Il a donné son sang pour ce Coran-là. Quand il a été tué chez lui, radiallahu ta'ala anhu, il a donné son sang pour le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un signe. Son stylo, sa plume était inspirée. Il était inspiré. Nous, par exemple, si nous nous trouvons devant cette difficulté, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire une lecture sur une ligne, on va faire kuffar, et l'autre, qu'est-ce qu'on va dire? On va marquer à la marge, ou en bas de page, ou en dessus du mot, on va mettre al-kafir, et en bas, on va mettre al-kuffar, comme faisaient les anciens. Après, quelqu'un va lire ça, il va dire, écoutez, ce qui est en bas de page ou à la marge ou au-dessus de la lettre, c'est une correction. Un autre, il dit, non, c'est ce qui est sur la ligne qui est la bonne lecture. Et ils tomberont dans la divergence. Alors, maintenant, il a évité ce khilaf-là. C'est de mettre fin à la divergence et il a réussi, il était inspiré de Nourain. Qu'Allah ajoute à sa lumière plus de lumière. Qu'Allah agrée Zayd ibn Thabit, qu'Allah agrée Abdullah ibn Zubair, qu'Allah Allahumma arda'an Abdurrahman ibn al-Harith, Allahumma arda'an Sa'id ibn al-As, ces hommes-là, subhanallah, qui nous ont laissé, qui ont préservé le Coran par leurs mains, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a gardé, mais c'est grâce à ces hommes-là que le Coran nous est parvenu avec ces 10 qira'at aussi belles les unes que les autres. Des exemples sont nombreux. Yukhadi'un et Yakhda'un. Il y a une lecture, Yukhadi'un, l'autre lecture, c'est Yakhda'un. Donc, le tracé de la des deux, le tracé, il est valable pour les deux lectures. On trouve dans le Coran, chaque fois si on étudie le rasm du Coran, on découvre ce genre de choses étonnantes, de choses de subtilité qui prouvent comment ces gens-là, ils étaient vraiment des génies. Allah, c'est comme s'ils étaient inspirés. Et aussi leur scrupule, leur piété, leur compassion pour la communauté, leur but d'alléger la contrainte à la communauté musulmane. Yani, on trouve des choses extraordinaires rien que sur le rasm. Comme par exemple le mot mi'ad. Mi'ad, rendez-vous. Mi'ad, ça veut dire rendez-vous. Mi'ad. Il s'écrit avec un alif entre le A et le Del. Mi'ad. Ça, c'est l'orthographe d'aujourd'hui. Ça, c'est tout le Coran aussi. Sauf, on trouve dans tout le Coran mi'ad avec le ma, le mim, le ya, le A, le alif et le Del. N'est-ce pas? Mais dans Sourate Al-Anfal, dans la Sourate 8, وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. Et ce mi'ad ici, le mi'ad, il y a l'alif, l'am, le mim, le ya, le a et le dal. Il n'y a pas de alif entre le aïn et le dal. Dans ce seul verset-là, exception. Le alif ne sépare pas le a du dal. Il y a a et directement le dal. Ça, vous pouvez le lire dans le Coran qui est entre vos mains. D'accord? Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ » C'est dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8. « Si vous aviez convenu de vous rencontrer, vous auriez manqué au rendez-vous. « وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا » Si vous aviez convenu de vous rencontrer, vous auriez manqué au rendez-vous, mais assurément,
Allah tranche d'un destin prédéterminé. Donc il n'y a pas de variante. Ici, il n'y a pas de variante de lecture, c'est-à-dire il n'y a pas de variante dans la lecture de ce verset-là. Mais, et pourtant, il n'y a pas de alif dans Mi'ad. Les savants spécialistes de la graphie ont dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour expliquer cette variance-là, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas au rendez-vous. Tout Mi'ad écrit dans ce contexte est un rendez-vous sûr. Et donc, il convient de mettre sa graphie complète. Dans les autres versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala, où le rendez-vous est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, le mot mi'ad s'écrit en complet. Mais ici, dans ce verset, le mi'ad, le rendez-vous n'est pas sûr parce que il va être fixé par des hommes et non pas par Allah. Et c'est pourquoi sa graphie a été incomplète. Voilà, c'est l'une des subtilités. La graphie a été incomplète, mi'ad sans alif, parce que c'est un mi'ad attribué aux hommes. Et les hommes peuvent faillir à leur rendez-vous. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne faillit jamais à son rendez-vous. Il ne manque jamais à son rendez-vous. C'est pourquoi quand on parle de mi'ad attribué à Allah, on ajoute le alif. Le alif existe. Ça, c'est l'une des subtilités de la graphie. Bon, le mushaf fut achevé. Faut vous rappeler une chose que au moment où ce comité censeur travaillait sur le Coran, la mosquée s'est effectuée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est effectué et s'est déroulé en public, pas en secret. Les portes de la mosquée étaient ouvertes, c'était pas des réunions à huis clos, hein. Et tout est clair, subhanallah, tout est clair. Tout est clair dans notre religion. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il récitait ouvertement le Coran. Il n'y a pas de clergé dans notre religion, pas de science occulte réservée à une élite. Tout est clair dans notre. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il l'a récité publiquement. Hein, et puis les cinq prières qui sont venues après. Et ça, à cette recension, comme a dit Abu Talib Al-Qaisi Al-Gharnati, dans son kitab Al-Ibana an Ma'ani Al-Qira'at, il a dit qu'à cette recension, ils avaient participé 12 000 compagnons et tabi'in. 12 000. Les grands compagnons et les grands tabi'in étaient au nombre de 12 000 qui ont assisté à cette recension-là. Au cas où quelqu'un ferait une objection, il peut le faire. Hein? C'était ouvert à tout le monde. Donc c'était une unanimité des Qurra et des compagnons là-dessus. Le mushaf fut achevé. Othman rendit le manuscrit originel à Hafsa, le manuscrit de la première recension d'Abou Bakr. Il a été rendu à Hafsa. Le travail était exposé aux émigrants et aux Ansar et aux Tabi'in, et il y eut accord unanime là-dessus. Pour la première fois, le Coran fut mis sous forme d'un livre avec ses deux plats. C'est un mushaf écrit selon la langue de Quraysh, d'après la dernière mise au point, l'ard al-akhira, faite par le prophète sallam et Jibril, le dernier mois de Ramadan. Donc, ils se sont basés sur cette dernière mise au point, cette dernière révision qui a été faite entre Jibril, alayhi salam, et notre prophète sallam. D'accord? Il repose sur cette révision-là. Et dans la graphie du mushaf, elle a été travaillée et conçue pour accepter les autres modes de formulation. C'est bon? Attention. Parce que vous allez trouver dans certains livres d'orientalistes et même certains penseurs musulmans qu'Othman a astreint la communauté à un seul mode de prononciation et a aboli les six autres. C'est faux. La preuve est que les six autres ahrafs se retrouvent dans les qira'at. Dans les qira'at que nous allons, Inch'Allah, nous allons étudier dans les prochains doros. Se retrouve dans Qira'at Hafs, dans Qira'at Asim, Qira'at Nafi, Qira'at Hamzal, Kisa'i, Ja'far, Khalaf et les autres Qurra. Othman, il a maintenu la licence. Seulement,
il a uni la communauté autour d'un seul mushaf. Et en fait, autour d'une, il ne s'agit pas d'un seul mushaf, d'un seul livre, mais il s'agit de 6 ou 7 exemplaires. Normalement, quand on dit le mushaf l'imam, ce n'est pas relativement à l'imam Othman. Mais mushaf l'imam, ça veut dire mushaf référence. Et ils sont 6 ou 7. 5 selon certains. C'est bon? Donc, il s'agit de 5, 6 ou 7 exemplaires. Hadou, ceux-là, on les appelle mushaf l'imam, masahif l'imam. Sauf si on considère le mushaf l'imam, mushaf personnel. Parce qu'il a gardé, Uthman a gardé un mushaf pour lui-même. Et on peut le dire mushaf l'imam, Uthman. Mais quand on parle de mushaf l'imam de façon absolue, il s'agit des 5, 6 ou 7 exemplaires. Donc, Uthman a astreint la communauté à réciter selon les qira'a rapporté de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ces copies-là, selon la graphie qui se trouve dans ces 6 ou 7 exemplaires. C'est bon? Donc, il a tranché, il a fixé le texte. Comme ça, on ne peut rien ajouter, rien retrancher. Et parce que bon, les gens, les autres, les compagnons et tout, chacun il avait un Coran ou un mushaf personnel où il écrit des explications, etc. Donc là, Uthman, il a tranché. À quoi servent ces exemplaires-là? À quoi servent les exemplaires qu'a fait Uthman, radiyallahu anhu, les 6, les 5 ou les 6 ou les 7 exemplaires? Ben, il a envoyé chaque exemplaire à une métropole, à une grande ville du territoire musulman. D'après Ibn Abi Daoud, c'est le fils d'Abu Daoud, l'auteur des Sunan. Ibn Abi Daoud, c'est un des spécialistes des mushaf, des masahif. Et son livre s'appelle Masahif, Kitab al-Masahif. Ibn Abi Daoud, il a entendu Abu Hatim, As-Sijistani, il a dit 7 mushaf. Il a entendu dire que 7 mushaf ont été écrits. Uthman en envoya un à la Mecque, un au Cham en Syrie, un au Yémen, un au Bahreïn, un à Al-Basra en Irak et un à Al-Koufa en Irak. Et il a gardé un à Médine. Suyuti, selon la ville plus répandue, il s'agit de 5 mushaf. Mushaf à la Mecque, envoyé à la Mecque, au Cham, en Syrie, le Koufa, le Basra et Médine, en plus du mushaf personnel de Uthman. Et dans Manahil al-Arfan de l'imam Zarqani, Uthman a ordonné à Zayd ibn Thabit d'apprendre le Coran aux gens d'après le mushaf de Médine, et l'envoyé à Abdullah ibn Sa'ib avec le mushaf Mekwa, le Mughira ibn Shihab avec le mushaf syrien, Abu Abdurrahman al-Sulami avec le mushaf Koufik de Koufa et Amir ibn Abdelqais avec le mushaf de Basra. Donc ces 5, 6 ou 7 copies, il les a envoyées chacune à une métropole, à une grande ville. Ces copies-là, elles diffèrent les unes des autres dans certaines, par certaines lettres. Certains waouh, certains alifs qui sont comptés et qui sont connus. D'accord? Ces livres, ces copies-là, il y a des variantes entre ces copies-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple de ces variantes. Dans le verset qui se trouve dans Sourate al-Baqarah, « وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Et Ibrahim la recommanda, fit recommandation à ses fils ainsi que Yaqub. Ils ont fait la recommandation à... Ibrahim a fait la recommandation aux siens en disant Ya Bunaya, inna Allah astafa lakum uddin. Oh mes fils, en vérité, Allah a choisi pour vous la religion. Le verset qui se trouve dans Sourate al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub.
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vous allez trouver ça dans sourate Al-Baqarah. Ça, c'est une lecture. Wawassa, comme vous lisez dans Riwayat Hafs. Vous lisez comme ça. Tandis que dans le mushaf des gens, ça c'est dans le mushaf de l'Koufa et de l'Basra. Parce que le mushaf que vous lisez en France, c'est celui qui a été envoyé à l'Koufa et à l'Basra. C'est comme celui qui a été envoyé à l'Koufa et à l'Basra en Irak. Riwayat Hafs an Asim. Tandis que le mushaf des gens de Médine et des gens de Syrie, on lit wa'awsa, on ne lit pas wa'awsa. Il y a une hamza supplémentaire wa'awsa. Ça c'est la qira'a de Nafi' ibn Amir et d'Abu Ja'far. D'accord? Parce que le mushaf de Médine, les Marocains, les Maghrébins en général, l'Espagne musulmane, ils récitent selon la graphie qui se trouve dans le mushaf de Médine. De Médine. Bien sûr, Malik, c'est à Médine. Bon, il y avait l'imam Malik. Bon, l'imam Malik, il a adopté la qira'a de Nafi', qira'a de Nafi'. Et Nafi', il a adopté le madhhab de Malik. Et le madhhab de Malik, il fut apporté en Espagne musulmane. Il fut apporté au Maroc avec le rasm de Médine. Inch'Allah, on va en parler, bidnillah. Donc, qira'at, dans une lecture, on lit wawassa, dans une autre lecture, on lit wawassa, wa'awsa. Il y a la différence, il y a une différence de la hamza. D'accord? Un autre exemple. Wala yakhafu uqbaha dans surat Shams, ou Shams et Waduha. Wala yakhafu uqbaha. Ça, vous le lisez dans le Coran, de riwayat Hafs an Asim. ولا يخاف عقبة avec le waw. Ça c'est mushaf de l'Koufa et de l'Basra. Dans le mushaf de Médine et le mushaf de Syrie, on lit fa la yakhaf عقبة. Fa la yakhaf عقبة. C'est pas le waw mais le fa. Ça c'est lecture de Nafi' et c'est aussi d'Ibn Amir et d'Abu Ja'far. C'est le mushaf de Syrie et le mushaf de Médine. Autre exemple, oui, il y a plusieurs exemples. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, sourate Al-Imran. Mushaf de Médine et mushaf de Sham, on lit sari'u. Dans le mushaf de Koufa et de Basra, on lit wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa sari'u avec le waw. Dans le mushaf de Médine, on ne lit pas sari'u. C'est pourquoi riwayat Warsh an Nafi', on lit sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hafs wa sari'u. Un autre exemple, fa inna Allah huwa al-ghani wal-hamid. Ça c'est dans le mushaf de Koufa. On lit فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Allah est le riche et le louangé. Et dans le mushaf du Sham et de Médine, فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Un riwayat Warsh. فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Il n'y a pas huwa. Il n'y a pas le pronom huwa. Ils sont au nombre de 58 ces variantes. Abu Amr Dani, il les a réunis dans son livre Al-Muqni' fi Rasm Masahif Al-Amsar. Il les a réunis dans son livre. Il y a 58 variantes. 58. Ils sont bien comptés. Pourquoi les copies diffèrent? Là apparaît d'autres sagesses qui témoignent de la grandeur de Uthman et de son intelligence et de sa compassion pour la communauté. Je vous ai dit qu'il a veillé à adopter la graphie aux autres ahrof. Il a voulu perpétuer la tolérance divine, sans causer de division. Mais certaines variantes, certains modes de formulation, la graphie ne peut pas les accepter toutes. Certaines variantes, la graphie ne peut pas. D'accord? Comme l'exemple que je viens de citer tout à l'heure, le verset dans Surat Al-Hadid. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le pronom huwa ou le laisser? Qu'est-ce qu'il va faire? Si l'enlève, il va négliger la lecture, l'autre lecture, qui est fa inna Allah huwa al-ghani al-hamid. S'il le met, il va négliger la lecture fa inna Allah al-ghani al-hamid.
Il est entre les entre deux feux, si vous voulez. Donc, soit il enlève, soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas enlevé. Il a réparti ces variantes sur les différentes copies pour qu'il ne soit pas négligé. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans une copie fa inna Allah huwa al-ghani al-hamid. Dans une autre copie, il a marqué fa inna Allah al-ghani al-hamid. Il a réparti ces variantes-là sur les différents mushafs. Ça, c'est une chose. C'est une autre, une sagesse. Il s'agit, voilà. Autre hikma, c'est que dans les grandes villes, les villes auxquelles il a envoyé les mushafs, les gens ont été déjà habitués à certains qiraat. Les gens étaient déjà habitués à certains qiraat. À Al-Kufa, il y a déjà Ibn Mas'ud. Et les gens apprenaient le Coran par voie orale de la bouche des compagnons et de la bouche des tabi'in. Avant que l'écriture du mushaf, l'imam ne soit faite, n'est-ce pas? Avant que avant ce comité, que ce comité ne se réunisse et écrive ce Coran-là, et avant que ces masahif ne leur parviennent, ils récitaient déjà le Coran et ils l'apprenaient de la bouche des Qurra, des compagnons d'Ibn Mas'ud et d'autres compagnons et d'autres tabi'in. D'accord? Donc l'apprentissage a précédé l'envoi des masahif. Et puis, bon. Uthman en est conscient. Il dit voilà, Al-Kufa, il récite Fa'inna Allaha huwa al-ghani al-hamid. Ils ont été habitués à ce harf-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a marqué huwa dans le mushaf qu'il va leur envoyer. Il leur a envoyé une graphie, le mushaf avec une graphie qui respecte la lecture des habitants d'Al-Kufa. Et il a fait la même chose concernant le mushaf envoyé au Cham, le mushaf envoyé à Médine. La même chose. Il a la graphie, il a veillé à ce qu'elle respecte la lecture. Tout cela pourquoi? Pour mettre fin à la division et à la discorde. D'accord? Là, pareil pour Wassa et Aoussa, pareil, il a fait ça. Donc, quand tout cet énorme travail a été achevé, sous l'œil des compagnons, les Muhajirines, les vétérans de Badr, les Qurra parmi les compagnons, les grands Tabi'in, qu'est-ce qu'a fait Othman? Il donna l'ordre de brûler. Il a dit que quiconque possède un exemplaire du Coran, un document différent du Coran officiel, il a dit, il faut l'éliminer, ça y est, afin de mettre fin à toute divergence. Donc ce Coran est mutawatir, établi selon le plus haut degré d'authenticité, un grand nombre de compagnons l'ont retenu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont transmis à un nombre encore plus grand de tabi'in. Il y a unanimité dessus. Un mushaf dont la graphie est par faute, englobant la plupart des ahrafs, la moindre de ces lettres remonte authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon des chaînes multiples de rapporteurs, de compagnons et des tabi'in. Donc, tous les documents et les mushafs personnels de certains compagnons ne sont pas à la hauteur de ce mushaf-là, du mushaf l'imam. Hein? Pour que personne ne vienne dire bon, il manque tel et tel verset. Ça y est, la première génération a tranché. C'est fini. Tout ce qui est venu après, c'est du mensonge. Que quelqu'un ne prétende que Uthman a brûlé les documents sur le droit de Ali au califat, ou les documents qui parlent qui traitent les Banu Umayyad d'hypocrites. Ça, c'est du pur mensonge. Ça, c'est des mensonges allégués par les chiites et les détracteurs de l'islam. Ça, le Mus'haf l'imam, il y avait unanimité là-dessus. Il y avait unanimité là-dessus. Donc, il a donné l'ordre pour que chacun élimine. Pourquoi les mushaf personnels, les documents personnels, les documents, on y trouve le mushaf, les versets coraniques avec leur explication. Et parfois, bon, si on lit, on va confondre ce qui a été révélé au prophète sallam avec ce qui a été écrit par la personne. Donc, Uthman, pour remédier à ça, ça y est, il a fixé le texte, une graphie excellente.
C'est bon, chacun il jette celui qui a un mushaf, qu'il le brûle, et toute la communauté doit se réunir autour de ces masahif-là, mushaf l'imam. C'est bon? Il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, dans le Mustadrak al-Hakim et dans le Mu'jam Tabarani que Abdullah ibn Mas'ud s'est opposé à l'ordre de Uthman de brûler son mushaf. Et il a dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appris de sa bouche 70 sourates. Abandonnerai-je ce que j'ai enregistré de la bouche de l'envoyé d'Allah? Je les ai appris de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que Zayd ibn Thabit était encore enfant. Et il a juré de ne pas leur remettre son mushaf, de ne pas leur remettre le mushaf personnel. Ben par là, les détracteurs d'islam et les chiites veulent entrer pour attaquer Uthman ou douter de l'authenticité du Coran et que quelque chose en manque. Ils profitent de ce genre de désaccord. Les chiites et les orientalistes aiment les divergences, ils collectionnent les divergences. Bon, comment répondre à cela? Premièrement, Abdullah ibn Mas'ud, il n'y a rien à dire là-dessus. Un éminent compagnon, radiyallahu anhu, un savant du Coran. Mais Zayd ibn Thabit est aussi un éminent compagnon. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisisse Zayd ibn Thabit comme écrivain de la révélation, et il était voisin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours disponible. Les autres partaient dans des expéditions, mais lui, il était le plus collé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il était son voisin. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le choisisse comme scribe, c'est déjà un témoignage en sa faveur. Le fait qu'il ait assisté à la dernière mise au point du Coran entre Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est un privilège. Le fait qu'Abu Bakr et Omar, et vous connaissez Omar, il est intransigeant, il est strict, il ne flatte personne quand il s'agit de la vérité, ça y est, il est strict, il est sérieux. Le fait qu'Abu Bakr et Omar l'aient choisi à cette mission, puis Uthman, prouve qu'il en est digne, qu'il a toutes les qualités requises. En plus, des milliers de compagnons et de tabirines l'ont accepté comme président de la commission de recension. Y compris Ali radiallahu anhu, il était d'accord. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus de sa jeunesse, ça c'est un privilège. Deuxièmement, Ibn Mas'ud, ceux qui ont fait toute une affaire, Ibn Mas'ud n'a pas contesté l'authenticité du mushaf de Uthman. Mais il s'est juste accroché à son mushaf. Il ne veut pas abandonner ce qu'il a reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre la qira'a de Zayd ibn Thabit. Et même quand il a dit, m'ordonnerez-vous de réciter le Coran selon la qira'a de Zayd ibn Thabit, et il a juré, il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, j'ai enregistré de la bouche de l'envoyé d'Allah plus de 70 sourates, alors que Zayd jouait encore avec les enfants à Médine. Quand il a dit ça, le rapporteur de ce récit-là, qui s'appelle Shaqiq, rapporte ce fait, il a dit, Ibn Mas'ud eut honte qu'il a dit ça. Thumma stahiya mimma qal. Il a dit, il eut honte de ce propos, puis il a dit, je ne suis pas meilleur qu'eux. Walastu bi khayrihum. Et il l'a dit, il l'a reconnu. Hein? Ça c'est rapporté par Nasa'i. Et dans une autre version, il a dit, j'ai reçu de la bouche du prophète 70 sourates, et il a dit, et j'ai reçu le reste des autres compagnons. Donc, 70 sourates seulement qu'il a reçu de la bouche du prophète, mais le reste, il l'a reçu de la bouche d'autres compagnons. Ça, cette version se trouve dans Fath al-Bari. Donc, il n'a pas tout pris de la bouche du prophète, contrairement à cette commission-là, ce comité-là, c'est un travail de groupe. Il n'a été écrit dans les masahif que ce qui a été reçu de la bouche du prophète directement. Directement. D'accord? Et en plus, Ibn Mas'ud était absent pour ses fonctions officielles en Irak. Et l'affaire de la recension était urgente.
Va-t-il suspendre tout ce travail-là de recension dans l'attente de son retour, alors que d'autres compagnons possédaient, comme lui et même en plus de lui, des documents qui sont rigoureusement travaillés, collationnés et sanctionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans ses fonctions en Irak. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, le mushaf de Othman a été recensé selon une pluralité de compagnons, dont les scribes et les savants dans la lecture du Coran et d'autres compagnons, hein, ainsi que des tabi'in dont les qira'at concordent, c'est-à-dire un nombre trop élevé pour qu'ils aient pu se mettre d'accord sur une soi-disant manipulation ou du mensonge. C'est ce qu'on appelle tawatur. Toutes les qira'at concordent avec leurs variantes. Ça, c'est le haut degré d'authenticité. Le mushaf d'Ibn Mas'ud est un travail personnel, un livre personnel. Or, le mutawatir prévaut sur le ahad, sur l'individuel. Ce qui est rapporté selon une pluralité de témoignages concordants, ce n'est pas comme celui qui a été rapporté par un seul homme. Quatrièmement, à part Ibn Mas'ud, l'ensemble des compagnons étaient d'accord avec ce qu'a fait Othman. Et certains compagnons ont même critiqué la position d'Ibn Mas'ud. Parmi ceux qui lui ont reproché son attitude, Abu Darda. Et Abu Darda est un des Qurra'a, c'est-à-dire des savants de la lecture. Qira'at Abu Darda. Qira'at Ibn Amir remonte, l'un des sept, il remonte à Abu Darda. Zuhri a dit, il rapporte que d'éminents compagnons ont désapprouvé ce qu'a fait Ibn Mas'ud, comme le rapporte Abu Ubaid et At-Tirmidhi. Mus'ab ibn Sa'd, il a dit, j'ai rencontré des compagnons du prophète sallam quand Uthman a procédé à la recension des mus'haf. Cela leur a tous plu. Ils étaient tous satisfaits du travail de Uthman. Et ça, c'est une tradition authentique, c'est un récit authentique rapporté par Abu Ubaid dans Fada'il al-Qur'an. Donc c'était bon, Ibn Mas'ud s'est mis en colère. Bon, certains disent que c'est parce qu'il n'a pas été ils ne l'ont pas fait participer dans ce comité censeur. Bon, on peut justifier la colère d'Ibn Mas'ud, mais il paraît qu'Ibn Mas'ud vraisemblablement Ibn Mas'ud est revenu sur sa position quand il a constaté que la différence entre sa lecture et les autres, c'est dans les ahraf. Il a dit, j'ai écouté les qurra, j'ai constaté que leur récitation s'approche. C'est un récit rapporté par Saïd ibn Mansour dans ses Sunan et Abu Ubaid dans Fada'il al-Qur'an, Ibn Jarir al-Tabari al-Khatib. Il a dit, ces ahraf-là, ces qira'at, sont proches les unes des autres. Ça, il est revenu sur sa position. Et comme il est revenu sur autre chose, sur sa négation que les deux sourates, les deux dernières sourates du Coran, le Mu'awwidatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, fassent partie du Coran. Dans son mushaf personnel, il n'a pas marqué ces deux sourates. Il n'a pas marqué les deux sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et il a même ordonné de les effacer quand quelqu'un l'écrit dans le Mus'haf. Bon, il y a des textes, mais les savants disent, ont donné plusieurs interprétations et ils mettent en doute même l'authenticité de ce texte-là qui remonte à Ibn Mas'ud. Mais d'après bon, ce qu'on a vu, c'est que ces textes-là sont authentiques. Mais attention, ce que lui dit, il dit ils ne font pas partie du Coran, mais il reconnaît une chose. Il dit que les Mu'awwidatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, font partie de la révélation. Ils ont été descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le reconnaît ça. Il le reconnaît. Mais ce qu'il ne reconnaît pas, c'est qu'il fasse partie de la révélation divine. Il dit que c'est une ruqya. Ce sont des formules protectrices dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en servait pour faire la ruqya, l'incantation de l'Hassan et l'Hussein, pour se protéger des maux des djinns et des méfaits des djinns et des hommes, comme a dit Ibn Uyayna. Il est
Ibn Mas'ud, d'après un récit d'Ibn Uyayna, il dit que Ibn Mas'ud n'a jamais entendu le prophète sallam réciter les deux Mu'awidatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil nas. Hein? Mais d'autres compagnons l'ont entendu. Ubay ibn Ka'b, il a dit, je témoigne, quand ils lui ont raconté le fait, il a dit, je témoigne que qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil nas ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et font partie du Coran. Font partie du Coran. Ça, il y a unanimité des compagnons et des tabi'in là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, ce récit-là, bon, d'après bon, beaucoup de savants, c'est un récit authentique d'Ibn Mas'ud. Mais il est revenu sur sa négation. Bien sûr, le fait qu'il nie, ça ne change rien parce que bon, le Coran est établi par une pluralité de compagnons. Si lui ne l'a pas entendu ou si lui a cru que ça fait partie de la révélation, mais de la Sunna et non pas du Coran, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Mais il est revenu. La preuve qu'il est revenu, c'est que le riwaya de Hafs, qu'il a pris de Asim, il remonte authentiquement selon une pluralité de chaînes à Ibn Mas'ud. De même que le qira'a de Hamza al-Zayyat et la qira'a de l'Kisa'i. Et tous ces qira'at comportent le mu'awidatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil nas. Donc ça c'est une preuve évidente qu'Ibn Mas'ud enseignait qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil nas aux tabi'in qui les ont enseignés à ces qira'a-là. Donc les qira'at de Hafs, Qira'a de Hamza al-Zayyat et d'autres Qira'a de l'Kissa et aussi il remonte à Ibn Mas'ud. C'est Qira'a d'Ibn Mas'ud. Mohamed ibn Hazm a dit, quand il dit, lui il nie le fait qu'Ibn Mas'ud a nié ces deux surat, il dit quant à leurs allégations que Mus'haf Abdullah ibn Mas'ud est différent de notre Mus'haf, c'est du pur mensonge, il a dit. Il a dit dans le Mus'haf de Abdullah ibn Mas'ud, il y a certes sa lecture personnelle, mais sa qara'a est celle de Asim, qui est connue chez tous les musulmans de l'Orient, d'Orient en Occident. Et nous récitions cette qira'a selon la qira'a de Abdullah ibn Mas'ud. L'imam Baqillani, il a dit, s'il y a dans la qira'a d'Ibn Mas'ud ce qui est différent du mus'haf de Uthman, cela apparaîtra clairement dans la qira'a de Hamza en particulier. Donc Ibn Mas'ud, il a enseigné les deux, les mu'awidatayn, et il est revenu sur sa position là-dessus. Mais subhanallah, les chiites et tout, ils cherchent ce genre de choses, d'ambiguïté pour bon semer la discorde, pour dire bon, que quelque chose a été ajouté, quelque chose a été enlevé, etc. Que Uthman il a enlevé les versets louant les gens du livre et les versets qui condamnent les Banu Umayya. Subhanallah, c'est comme si le Coran a été révélé pour condamner les défauts des Omeyyades. Mais c'est fou ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. Et subhanallah. Et quand on leur dit, bon, apportez-nous la sourate, ce qui a été ajouté, ce qui a été retranché, apportez-nous une preuve. Ils n'apportent rien du tout. Et tout ce qu'ils racontent, c'est du pur mensonge. Ils racontent qu'il y a soi-disant un verset qui s'appelle sourate Nourain, qui parle des mérites des mérites de Ali. Et cette sourate, on la trouve dans certains livres, mais ils le font, c'est-à-dire ils n'osent pas le montrer parce qu'ils savent que c'est forgé de toutes pièces. Et les savants qui l'ont lu, je l'ai lu, c'est du n'importe quoi, c'est un style médiocre qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, bien sûr, cette qira'a là, vous l'avez rapporté de qui? Qui est le qara qui a lu cette sourate là? Apportez-nous une chaîne de transmission qui remonte à un compagnon. Apportez-nous une preuve que Ali cette sourate remonte à Ali. Des mensonges et des mensonges. Style médiocre. Et pas de chaîne de transmission. D'ailleurs, la majorité. Pourquoi ils se cachent? Ils n'osent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Ils savent qu'ils se trompent. Ils savent qu'ils se trompent. Les chiites, beaucoup d'orientalistes, bon, ils se basent beaucoup sur ce genre
genre de choses, de discorde. Ils disent, bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans. Bon, peut-être s'il y a disque, si Ibn Mas'ud s'est opposé à l'ordre de Othman, c'est que bon, il n'est pas d'accord avec ce qui a été consigné dans le Mus'haf Imam. Non, tout ça c'est faux. Et il y a des témoignages, pas seulement de musulmans, mais d'orientalistes qui disent que ce Coran, il est resté intact. Comme par exemple l'orientaliste britannique du 19e siècle, Forster Fitzgerald Arbuthnot, dans le livre The Construction of the Bible and the Quran, il a dit le Coran est considéré comme un modèle de la langue arabe la plus pure. Il est écrit sous une forme mi-poésie, mi-prose. Puis, jusqu'à ce qu'il a dit, il a dit plusieurs tentatives ont été entreprises pour produire une œuvre dont le style est aussi élégant que le Coran, mais aucune n'a réussi jusqu'à présent. Puis il a dit, bon, il a dit un texte final et complet a été préparé au cours de 20 années après la mort de Mohammed, et que ce texte est resté le même, sans aucun changement ni altération, que ce soit par des fervents croyants ou des traducteurs ou des interpolateurs ju jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit, on doit regretter qu'on ne puisse guère dire la même chose d'aucun des livres du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Il avoue qu'on ne peut pas trouver la même chose dans les autres livres saints. C'est un témoignage d'un homme qui n'est pas musulmans. Et d'autres orientalistes qui sont vraiment intègres, comme par exemple Georges-Louis Leblois, qui est un pasteur et écrivain français du 19e siècle. Il a dit, le Coran est aujourd'hui le seul livre sacré qui ne présente pas de variantes notables. Et d'autres orientalistes, William Muir et tout, d'autres orientalistes reconnaissent cette vérité. Voilà, j'ai terminé, inchallah, c'est la deuxième recension. Bon, on va continuer la prochaine fois. On va parler des qira'at, les 10 qira'at, les 7, puis les 10 qira'at et leur mode de transmission. Subhanakallah, bihamdik, shadow.